Et pas cher. Romano Lapins. Romano Lapins, sa spécialité, tenter d'arnaquer les familles. Attention, c'est les conseils. Les conseils pas chers. 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 Ouais, non mais... À trois, là, vous étiez synchro, c'était bien. Hein. Bravo Aïcha, bravo Vincent, bravo José. Et cadeau Merci. Pour vous ce matin, vous quittez pas, vous en restez Merci à la maison. Beaucoup. On vous embrasse, bonne journée. Ciao. Bon jeudi et ciao et bonne chance merci. Romano. Eh ben merci. Alors, qui est le premier client? Là, ça va être Patrick. Patrick. Absolument. Comme le faisait notre célèbre Patrick d'ailleurs. Absolument, ouais. Absolument. Patrick à 6h10. Allez, vas-y. Allô? Ouais, bonjour Patrick. Comment ça va? Patrick, c'est bizarre parce que Patrick il a fait ouais allô et t'avais l'impression qu'il était bien réveillé. Patrick, et en fait non. Et Patrick, juste derrière, en fait il est tombé Patrick. C'est ça, il a eu son dernier soubresaut. Oui allô. Bon bah salut Patrick alors. Bonne Patrick, journée. Patrick t'es plus là. Bon, non, bonne journée quand même Patrick. Patrick, bon, je te laisse pas. Parce que sinon je perds de l'argent moi là. Ah oui le temps c'est de l'argent. Tu sais allez quoi. Allez. Cédric c'est. Allez moi j'ai Gilles. Gilles. Allô. Oui. C'est Gilles. Oui, bonjour, oui. Comment vas-tu? Mais c'est qui, là? C'est Monsieur Lapin, c'est l'appareil, là. Je suis un peu homme à tout faire. Je voulais te proposer mes services ce matin, là, pour me faire un petit peu d'argent. T'as pas une pelouse à tondre? Mais non, j'ai pas de pelouse à tondre. Une haie. Allez, va te coucher, va. Un petit buisson. Celui de ta femme. La moquette. Non. Laver la voiture. Faire la vaisselle. Te faire les poches. Non. Je sais pas, un peu de mécanique, du bricolage. Bricolage, c'est tout, sauf la peinture, j'aime pas trop. Non, Et le buisson de la femme, t'as insisté, il veut pas. Non, il veut pas. Ah. Hein. Non, il veut que j'aille me recoucher. Désolé, Gilou. Dire, s'il me donne de l'argent pour me coucher, je veux bien. Hein. Oui. Gilles, vrai. Tu as envie d'un câlin? Non. T'as dit donner de l'argent, et derrière, il a raccroché. Ouais, c'est un peu traumatisé. Je crois que le gars, il est radin. J'aime pas ça, les gens radins. Parce qu'on parlait d'argent, là. C'est bien de gagner de l'argent. Mais oui. Mais à quoi bon gagner de l'argent si on ne dépense pas, hein, Romano? Eh oui. Andy Fool. Hein ah, le Thierry. Encore pire que moi, tu sais. Oh, bah ça, c'est sûr. Allô, Thierry. Évidemment. Thierry. Oui. Oui, allô, comment vas-tu? Ça va bien, mais je sais pas qui c'est. Eh ben, c'est l'homme à tout faire. Et ce matin, je vais venir faire un petit peu de jardinage chez vous. Et de faire du rangement. Parce que j'ai vu l'intérieur de la maison, c'est un vrai bordel là-dedans, hein. Donc je vais ranger un petit peu. Et tu me donneras un peu d'argent. Oui. 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 Eh ben, je peux arriver dans 5 minutes. C'est qui votre nom, là? Monsieur Lapince, moi. L-A-P-I-N-C-E. Comme une pince. Oui, vous êtes d'où? Je suis du village. Oui. Et quelle adresse? Ah ben, non, mais ça va, tu veux. Travailles dans la police. Eh, t'es keuf ou quoi? Oui. Oui. Ah ben, c'est bien. Ah ben, on a pas de chance, alors. C'est chaud. Eh ben, je vais venir te voir, puis je vais faire un peu de ménage, hein. Oui, vous voulez quoi exactement? Bah, j'aimerais que tu me donnes un petit peu d'argent parce que je vais te rendre service. Qu'est-ce que c'est cette plaisanterie là? C'est service à la personne. Bah, service à la personne, tu connais, je peux tailler la haie, je peux tondre le buisson, tout ça. Homme à tout faire. Le buisson de ta femme, bien sûr. Allez, salut. Aussi, ah bah, salut. Fais tout. Salut. Et voilà. Et voilà. Bien, écoute, hein. Un policier, moi, je suis au service. Un policier généreux, ça fait plaisir. Ah, c'est pas mal, ouais. Eh bah, ben merci pour ce beau conseil pas cher. Eh bah, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez gagner de l'argent. Voilà. Et si vous avez besoin d'un homme à tout faire, faites appel à Romano. Il vous fera un petit prix. Hein. Ah bien sûr, un prix d'amis. Hein. Un prix d'amis, oui. Bien cher, mais un prix d'amis. Ah quand même. toujours ami. Et là c'est Michael Jackson, comme promis, Michael Jackson. Ah, arrête, Cédric est jaloux, va faire un crise de nerfs. Romano qui a un rire spécial aussi. Hein. Oui. C'est clair. Oui, ça c'est quand t'es sous là. Ouais, mais comparé à Ludivine, petit joueur quoi. Ah ouais, c'est clair, ouais. Elle est très pas content. Mal quand même. Bon, ben justement, rapport au rire, qu'est-ce que tu fais ce matin? Eh bien, je vais aller faire un petit réveil humoristique aux familles et leur raconter des bonnes blagues contre de l'argent, bien sûr. Ah, c'est un c'est 5 euros la blague. Tout et attention, on m'a donné des blagues, ça m'a envoyé là. Elles sont super. Ah, ouais. Ouais. Romano Lapince. Romano Lapince, sa spécialité, tenter d'arnaquer les familles. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Allez, Ludivine. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Ouais. Bravo, Ludivine. Enfin, un gros bisou, Ludivine. T'as passé comment ça s'appelle? Un bisou à tout le monde, vous déchirez, merci. Et le prénom de ta fille, qu'on lui fasse un bisou aussi? C'est Méline. Méline. Eh ben, un bisou à Méline et à Ludivine. Gros bisous, les deux filles. Salut, les filles. Ciao. Ciao. Salut. Alors, on appelle. Ah là, c'est parti. On appelle des gens, le principe, tu fais comme un numéro de téléphone payant. En fait. Ouais, c'est ça, ouais. Je vous appelle, c'est le réveil du rire. Le réveil pour rigoler. Ouais. Le réveil du rire ce matin. Allô, Bruno.
bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est oui. La femme à Bruno. Oui. Est-ce que Bruno est dans le coin? Oui, Bruno est dans le coin. Ah, vous pouvez me le passer s'il vous plaît. C'est la ligne du rire. Le réveil du rire, exactement. Il a commandé ça sur internet. Allô? Ouais, bonjour Bruno. Oui. Ouais, comment tu vas? C'est la... pas, oui. Ah, toi, ah. Tu es de bonne humeur, c'est bien. Tu as eu raison d'appeler la ligne du rire, et le oui. réveil du rire. La ligne du rire, dis donc, il y aura 5 euros débités sur ta facture téléphonique, je vais te faire une petite blague. Tu sais ce que c'est, un gendarme sur un tracteur? Bruno? Oh, il est ah, cool. Bruno! Il a pas entendu la réponse. Eh ben, c'est un poulet fermier! Mais oui! On la connaît, mais elle fait toujours rire. Ah, là, c'est clair. Bonjour à la police qui nous écoute. C'est Cédric qui l'a raconté. Ouais, là, bien sûr. Et là, je peux vous dire que ça rigole dans les commissariats. Ah, ben, bah, à fond, ouais. Un gendarme sur un allô tracteur est un poulet fermier, madame, bien sûr. Bonjour. Madame Duclou. C'est Madame Duclou. Oui? Oui, bonjour, c'est Monsieur Marteau. Madame Duclou, est-ce que votre mari est là? Non, il n'est pas là. Ah, dommage, parce qu'il avait fait une petite réservation pour un réveil du rire ce matin. Là, bah, je vais vous faire une blague à vous. Ah bon? Vous savez comment perdre 60 kilos de graisse inutile? Pour un homme, hein? Pour les hommes? Oui. Ouais. Arrêtez le whisky. Non, il faut divorcer. Et oui, ils se séparent de leur femme et hop là, et c'est géré. Et voilà. Ah là là. Elle est bien, hein? Elle est super. Hein. Vous connaissez le sport préféré de Dominique Strauss-Kahn? Le pénis de table. Là, tu lui fais 10 euros, là. On en a à 10 euros, vous en voulez une troisième? Ben, allez-y. Alors, que fait un homme pour aider une femme à faire le ménage? Il lève les pieds. C'est tout à fait ça. C'est ben, ça, voilà. Elle confirme. Ah ben, je vous fais le tout pour 20 euros. Je vais passer vous voir, là, ce matin, là. Ah bon? Vous savez où un chien va faire ses courses? Au marché aux puces. Eh oui. Eh bien, super. Ah ben là, je vous ai régalé, là. 4 blagues, 5 blagues, 5 euros la blague, 20 euros. 20 euros, on arrondit même à 25 parce que c'est jour de fête. Allez, très bien. Donc, je passe chez vous dans 10 minutes, un quart d'heure. J'en ai d'accord entendu, à tout de suite. Ah ben, elle est contente, en plus. C'était Madame Duclou. C'est ça. Bon, eh oui, et moi, je suis Monsieur Marteau. Bonne journée, Madame Duclou. Et voilà. Je viens chez vous pour enfoncer le clou. Salut les Duclou. Au revoir les Duclou. Je crois qu'elle a adoré tes blagues. Ah bah, elle a adoré, bah toi. Bah attends, elle en a pris 4 et oh. Et en plus de ça, elle me dit, bah passez à la maison. 4 d'un coup, c'est pas mal ça. Ah, c'est bon ça, c'est bon. Bon, bravo Romano, 7h19. 6h09. Morning show. C'est le morning. Il n'y a plus de flûte. Carlos non. Aussi, les conseils pas chers, c'est parti. Romano Lapince. Romano Lapince, sa spécialité, tenter d'arnaquer les familles. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Le rythme dans la peau, c'est les conseils. Les conseils pas chers. Ah, bien, c'est les conseils. Les conseils pas chers. Le final, c'est les conseils. Les conseils pas chers. Bravo, bravo, bravo. Bravo Gwendo, bravo Carlos, et bonne chance Romano pour les conseils pas chers. Je vous mets 10 sur 10. Wow, vous avez 10 sur 10 et une super note, c'est bien. Wow, merci. Envoyez-moi de l'annonce, là. Vous avez vu comme il est radin, Romano, il met même pas des notes sur 20. Ouais. Bah, tu multiplies par 2. Juste sur 10. Ça fait 20. 20 sur 20. Bien joué, carriole. Ah ouais. Et tu vois, on parle de maths, tu t'améliores depuis. Elle est balèze. Alors, je crois qu'elle va finir aux chiffres et aux lettres. Bon, qui c'est qu'on appelle? On l'appelle Robert. Robert. Ouais, mais Robert, il cherche quoi comme prof? Je sais pas, c'est des familles normales. Non, alors là, on cherche des gens qui ont besoin de se cultiver un petit peu grâce à Romano. Romano cultive la France ce matin. Hello. Ouais, Robert. Oui. Ouais, comment tu vas, mon Robert? Mais c'est Jacques Pino. C'est Jacques. Jacques. C'est Jacques Lapince. Ouais. Dis donc, je t'appelais là, je vais te donner des cours de mathématiques. Parce que? Ah, parce qu'on m'a dit que tu savais mal compter. Ah bon? 3 plus 3. Non, mais c'est quoi? Ah, bah tu vois, tu sais pas. 3 plus 3, tu sais même pas que ça fait 5. Oh, le nul. Ah, c'est ça, ouais. Ah, nul. 3 fois 4. Oh, 18, il sait même pas que ça fait 18. Oh, le nul. Moi, je peux jouer. Vas-y, carriole. 12 divisé par 4. 3. Bon, non, c'est quoi vos conneries là? Ah, bah, je vais venir te donner des cours, hein, puis si ça va pas à la baguette, je te mets des coups de martinet, moi. Ouais. Ouais, donc je vais venir dans 5-10 minutes, là. Ouais. Tu sors un cahier, un crayon et interrogation écrite ce matin. Oui, bon, allez, c'est des conneries, moi je raccroche. Et puis tu me donneras 50 euros. Tant qu'on y est. 50 euros pour t'expliquer, c'est un 5 et un 0 derrière avec un E. Voilà, ouais, c'est ça. Mais avec un E avec deux barres. Tu es au milieu, ouais. Ouais, ouais, bon, allez, bonne journée. Eh ben, Robert, tu vas te calmer tout de suite, sinon je te mets au coin. Hein. Ouais, ouais, bonne journée. Tu es puni, Robert, mets-lui un bonnet d'âne. Robert, c'est la fessée quand j'arrive. Eh ben voilà. Non, mais dis donc. Non, mais oh, Robert. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Ce rattrapage scolaire sur Skyrock. Ah, ouais, allez, on va chez Rémi. Robert, il avait 2-3 difficultés. Ah ouais. Alors, Rémi, c'est une famille. C'est Rémi. J'espère qu'il a une famille. Moi aussi. Alors,
Salut Rémi. Rémi. Oui, bonjour Rémi. Fais-lui un cours d'éducation sexuelle. Oui. Bonjour Rémi. Rémi, tu m'entends? Oui. Rémi, es-tu là? Oui, je vais ce matin venir te donner un petit cours d'éducation sexuelle. Mm-hmm. Nous allons étudier la reproduction ensemble. Tu es content? Oui. Oui. Ça l'excitait et il est parti se faire des trucs. Là. Lui, il avait une voix pour l'éducation sexuelle. Oui, oui. Eh bien. Oui. Frédéric. C'était Rémi. Frédéric. Mais tu ne t'arrêtes jamais, Cédric. Non, je m'arrête jamais. Le mec est déchaîné. Voilà, numéro. Appel. Tempé, numéro. Non, parce que moi, je considère que le conseil pas cher est réussi avec le premier. Ah ouais, bah, avec Robert. Classe. On arrête alors. Robert, je te l'ai dressé, moi. Ouais, tu l'as dressé, Robert, mais il en avait besoin. Hein. Robert, il est au coin, là, chez lui. Avec son bonnet d'âne. Mais ouais. Et il attend la fessée. Ah. Très bien. Eh bien, notez bien, photomate, c'est pour ceux qui sont nuls en équation, ça sera. Vas-y, moi, je vais tester, là. On va tester pendant. Il y a Manu du 28 qui te donne une équation. Ouais. Ah bah tiens, vas-y, je vais la prendre en photo, je vois si ça marche. Ah bah on s'en occupe. Ouais, Eminem, on écoute. Et allez. Dans un instant, on vous offre votre iPhone 6 sur Skyrock. Eminem et I'm Not Afraid à 8h22. 6h-9h. The Morning Show. C'est le Morning